Nando Piquet, écoute-toi et réécoute-toi encore. Quand tu partais pour la Côte d'Ivoire, j'ai dit si tu arrives, je te donne 100 dollars. La vidéo a fait plus de 100 000 vues. Tu as fait vues et ignoré. Et plusieurs personnes étaient prêtes à t'aider. Mais quand tu es arrivé là-bas, tu es venu faire un démenti qu'on ne t'a pas abandonné. Je suis Ngando Piquet, la légende, mascotte des Lions et notable du Cameroun. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec le journaliste Kevin Pourquoi tu es Fosso. incohérent comme ça là? Je vais vous parler de ma situation, notre situation, comment nous avons été abandonnés à Abidjan. Nous sommes là, nous attendons votre soutien pour pouvoir prendre l'avion pour rentrer à Yaya. On peut être incohérent comme ça là. Vous allez faire confiance au peuple quand? Vous confondez aimer son pays et aimer un individu. Voilà le prix à payer. Vous êtes fan du titre d'une personne. Au lieu de chercher à connaître quelle est sa moralité. C'est ça le problème du Camerounais. Au lieu de chercher à connaître ta moralité, on n'aime que tes titres. C'est le jour qui nous pique, qui nous blesse. On se rend compte que, hé, donc il était mauvais comme ça là. J'ai fait une vidéo ici là, qui a eu plus de 100 000 vues, parlant de toi. Personne ne m'a contacté. Parce qu'on t'a promis le paradis. Là, ça veut dire tu pleures. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Parce que vous êtes fan du titre d'une personne. Vous devez chercher à connaître quelle est sa moralité. Quelqu'un peut avoir tout gagné dans sa vie, mais être de mauvaise moralité. Maintenant, vous pleurez quand vous abandonnez. Vous allez faire confiance au peuple quand? Vous voulez manger des deux côtés. Quand vous promet le paradis là-bas en haut, vous abandonnez ceux d'en bas. Vous oubliez que ceux d'en bas sont plus nombreux. C'est 1 franc seulement. C'est 1 franc. Ça fait 10 millions de francs CFA. Et c'est 5 millions. Ça fait 50 millions de francs CFA. Vous allez apprendre à faire confiance à la masse quand? Maintenant, voilà les pleurs partout. Gando Piquet, il faut t'écouter et te réécouter. L'autre jour ici, on a pris ton parti pour te soutenir. Mais tu es arrivé, tu as fait un démenti. Go, wow, j'avais mal compris. Aujourd'hui, tu pleures. Disons qu'il y a eu un malentendu. Ça veut dire, moi, je n'ai pas vraiment suivi le programme. Parce qu'on m'a dit, il se pourrait qu'il fallait que j'attende du 10 au 11. Mais moi j'ai précipité, je croyais qu'on m'avait complètement oublié alors qu'on ne m'a pas oublié. Je suis parti du Cameroun avant le 10. Comme ça j'ai pris la route, une route très dangereuse d'ailleurs. Je remercie, nous remercions Dieu avec les enfants d'avoir pu entrer en Côte d'Ivoire et d'être là déjà. C'est quand je suis arrivé ici qu'on m'explique tout, l'Africa Food m'explique tout et tout et tout. Et déjà je suis avec l'Africa Food, c'est bon, il n'y a rien de... On peut être incohérent comme ça là. Hein? On dit qu'on manque d'intelligence, on doit au moins être sage. La sagesse, c'est son vécu sur terre. Mais on peut vieillir, être bête tout comme ça là. Hein? J'ai décidé, je n'aide plus certaines personnes dans ma vie. Ah oui. J'ai fait une vidéo de plus de 100 000 vues. Tu as vu, mais ignoré. Parce qu'on t'a promis le paradis. C'est comme ça qu'on vous met en haut. Vous avez de la peine à venir nous défendre en bas. Ah oui. Vous dites que vous ne faites pas la politique, mais vous êtes plus politicien que les politiques. Mais oui. Vous ne pouvez pas, quand on fait une vidéo pour vouloir vous aider, non, non, non. Vous ne pouvez pas répondre en ce moment-là parce que vous savez, vous misez gros. C'est quand on vous descend en haut là-bas que vous pensez à ceux qui sont en bas. Je n'interdis personne de t'aider, mais moi particulièrement, je garde mes 100 dollars. Voilà. Parce que hier, là, tu t'es battu seul. Tu devais mettre un numéro pour qu'on t'aide, mais tu ne l'as pas fait. Parce qu'on t'a promis le paradis. Ah, il est difficile d'aider un Camerounais. Hein. Franchement. Il est difficile d'aider un Camerounais. Ah oui. La chose la plus difficile d'aider un Camerounais. Même quand il est en train de mourir. Il croit tuer à celui qui est en haut là. C'est quand on l'abandonne qui confirme que, hé, dans ceux du bas là peuvent m'aider. Apprenez à connaître les moralités des gens. Aimez les gens pour leur moralité. Et non pour ce qu'ils ont.